Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'une maison ultra moderne, ultra design en forme de chapeau un peu moderne sur Minecraft. Voilà, un petit peu la bait. Voilà, donc maison plutôt stylée, moi j'aime plutôt bien malgré le fait que ce soit pas ultra chaleureux, mais voilà, il y a un design qui est présent, qui est beau, qui est présent. On voit les tu sais, comment ça s'appelle ces trucs là, les trucs qui font de la lumière au travers de la vitre au niveau de l'extérieur de la maison. Donc ça, je trouve ça stylé aussi, tu sais, les lustres, voilà. Et voilà, vraiment, c'est une maison très simple, qui est très facile à faire, malgré tout, hein, tu vois, le toit, il a un petit peu une forme stylée, mais il est pas compliqué à faire. Je vais te donner une technique, tu vois, c'est assez simple. Faudra faire un gros trait, après faudra affiner le truc avec des demi-blocs, enfin c'est pas bien compliqué. Voilà, donc je te montre ça. En fait, on va prendre des blocs de quartz déjà en premier lieu. On va prendre des blocs de quartz et on va faire un mur de 6 blocs de long. Alors on va le faire dans le même sens que pour le modèle, hein, on va pas s'embêter. D'ailleurs oui, alors juste, si tu découvres la chaîne, sache qu'on fait plein de tutoriels de maison comme ça sur Minecraft. Le dernier tuto en date qu'on a fait, c'était sur cette maison là, une maison moderne, stylée, un peu dans le même délire. Tu vois, une maison galette, comme j'aime bien l'appeler, la maison galette. Et la prochaine maison, ça sera une maison plus traditionnelle sur Minecraft. Qui sera une grande maison en bois, une grande villa en bois. Je t'en montre ça de loin, histoire de teaser un petit peu. Et voilà, comme ça au moins, tu sauras de quoi on fait sur la chaîne. C'est pas forcé ce que je dis, mais c'est pas grave. Ok, donc on va se lancer là. On fait une barre de 6 blocs de quartz. On laisse un espace de 3 blocs ici, comme ça. Et on refait une barre de 6. Hop, 5 et 6, magnifique. Ok, on va prendre les demi-blocs de bois de... Non, pas du tout, les demi-blocs de pierre lisse. Et on va partir de notre bout de mur ici, comme ça, ok. On va compter 4 blocs, ok, sur le sol. À partir du 5e bloc, on fait un mur de 11 blocs de longueur de bois de... Pourquoi j'appelle du bois? Non, c'est de la pierre lisse. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. On va faire le pattern au sol, hein. Pour l'instant je marque juste les traits au sol pour faire les murs après. On va reprendre un écart donc de 8 blocs après ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. À partir du 9e bloc, on fait un mur de 4 blocs comme ça en longueur de quartz, et sur la perpendiculaire après dans ce sens là, on va en prendre 5 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok. On va laisser 4 blocs de marge ici, donc 3, 4. Et à partir du 4e, on va remettre 5 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis pas aligné avec l'autre côté. Je me dis, il y a un problème. Donc effectivement, c'est pas 4 blocs ici, c'est 5. Hop, j'avais mal noté. Et on va, voilà, il y a tout simplement 5 blocs d'espace à ce niveau-là. Donc on reprend la même chose de l'autre côté aussi, hein, c'est-à-dire on va reprendre les murs de demi-blocs de pierre lisse ici sur la longueur. Hop, ok, pouf, pouf. Et une fois qu'on a ça, on va monter les murs. Sauf que comme tu peux le voir avec le toit, bah le toit il est chelou, toi, il n'est pas de la même hauteur partout, donc monter les murs ça va être compliqué. L'idée bien évidemment, ça va être de faire le toit d'abord et les murs après, pour qu'on puisse coller les murs au toit plus facilement. Comme ça on n'a pas besoin de s'embêter avec toutes les mesures de murs et tout à chaque fois, quoi. Évidemment. Pas con l'autre des fois, pas con. Alors du coup, on va reprendre nos blocs de quartz et on va monter les murs à ce niveau là et au niveau de là-bas en fait, et après on fera le toit par dessus et on montrera le reste des murs après. Hop, t'es d'accord ou bien? Alors là on a 3, 4, 5, donc on va faire 5 blocs de hauteur à ce niveau là sur la longueur du mur ici. Ok, hop, voilà, je fais pas l'autre côté, je ferai tout à l'heure. Et ici de ce côté là en fait, de l'autre bout de la maison, on va faire 12 blocs de hauteur voilà, tout simplement. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Hop, on fait ça sur toute la longueur. Hop. Voilà, et la même chose en fait sur, bah, sur les deux morceaux ici, hein, en fait, de mur. Alors, une fois qu'on a ça du coup au niveau des murs, on va partir du bas de nos murs ici, tu vois. Et on va pouvoir commencer à poser le premier bloc qui va faire le bloc du toit. Véritablement, le toit par contre, on va le faire en... On va le faire comme ça, tu vois. Bah oui, on va le faire comme ça, mais on va partir de ce niveau-là. Ok, bon, pour l'instant, on est bon. Alors, à ce niveau-là, on va partir sur l'intérieur de la maison, comme ça, sur 11 blocs de longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, de l'autre côté ici, on va en mettre
en diagonale ici comme ça, sur deux blocs de longueur et après sur un bloc, juste comme ça. Normalement comme ça. Ok, ça passe. Donc voilà, on a 2, puis 1 et 1. Alors, sur le côté ici, à partir du 11e bloc, on va mettre 1, 2, 3, 4 blocs ici comme ça. Puis après, on remonte de 1, on remet 4 blocs. Ok. On remonte de 1, on met 3. On remonte de 1, on en met 2. Alors évidemment, comme ça, ça va pas le faire. Donc on remet 1, on en met 2, on remet 1, on en met 2. Et on arrive pile ici, en fait, à ce niveau-là. Et en fait, voilà, on continue en en mettant 1 et 1 comme ça. Et donc vous voyez que quand on s'éloigne, ben, la forme de la maison, elle commence à ressortir pas mal. L'idée c'est qu'une fois qu'on a ça, en fait, ça va être la forme grossière. Là on a mis que des blocs, et vous voyez que évidemment là sur la maison, sur le modèle, eh bien on a des demi-blocs. Donc c'est ce qu'on va faire, aussi, c'est-à-dire qu'on va affiner après la forme qu'on a là pour la mettre en demi-blocs. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a cette forme-là, tu vois, on va faire un truc comme ça, par exemple, on va en mettre 3 blocs ici, on va en mettre 1 là, on va en enlever les blocs ici, hop, ici pareil, et on enlève les blocs comme ça. Hop, pour avoir un truc un peu comme ça, par exemple, hop, ici pareil, on va mettre des blocs ici, on va enlever des couches à ce niveau-là, et en fait, voilà, l'idée, ça va être vraiment d'affiner la forme du toit, hop, comme ça. Au niveau du dessus, on est plutôt bien ou pas trop? Non, pas trop, visiblement. Hop, comme ça. Hop. Hop. Ok. Voilà, faut essayer de vraiment avoir une forme arrondie plutôt bien. Ici, à ce niveau-là, on va essayer d'affiner aussi au niveau du dessous de du toit. Sans donner trop d'épaisseur, il faut pas que ça soit épais d'un côté, tu vois, et fin de l'autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir une forme qui est homogène. Et c'est pas forcément évident au début, hein, mais bon, voilà, faut tester au fur et à mesure. Là, du coup, on va peut-être rajouter un bloc de mur. L'idée, c'est qu'il faut que le toit soit vraiment bien. Et donc, même si on doit rajouter ou enlever des blocs de mur, c'est pas grave du tout, hein, évidemment. Voilà, donc attends, on va faire un truc ouais, comme ça. Hop. Là, c'est pas terrible parce qu'il y a 2 ici, tu vois, et 3 là. Donc, on va plutôt mettre 3 comme ça. Hop. Hop. Voilà, donc faut vraiment faire ce travail-là d'affinage avec avec des demi-blocs. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est nécessaire. Hop. Allure. Voilà, comme ça, on rajoute de l'épaisseur au toit et après on va prolonger cette forme-là sur toute la longueur de la maison. Hop, ok. Hop. Et ici, du coup, ouais, on poursuit aussi. Hop, ok. Donc là, on a une forme assez bien. Est-ce qu'on a une belle forme? Ouais, on pourrait rajouter un truc un peu ici. On pourrait enlever des morceaux. Hop. Alors voilà, faut pas hésiter à rechanger et remettre hein, en fonction des choses. Hop, ici par exemple, on pourrait en rajouter un bloc, c'est un petit peu large. Hop, comme ça, donc ici on rajoute aussi. Hop. Et on a une forme un petit peu mieux. Du coup là, l'épaisseur est plus la même partout, donc il faut rajouter de l'épaisseur aussi sur le devant, enfin sur cette partie-là de la maison. Hop, donc ici, à partir de là. Ok. Et voilà, donc à partir de là, on commence à avoir une forme de toit qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc c'est ça qu'on va garder, véritablement. Alors l'idée, c'est qu'on va prolonger cette forme-là sur toute la surface de la maison, et après seulement, on va tailler dans le toit lui-même pour mettre la deuxième partie du toit ici, comme ça, en bulle qui va venir par-dessus. Alors du coup, comme on a une épaisseur de toit qui est assez prononcée, eh bien on va pouvoir tailler dans le toit directement pour poser les blocs, ok, comme ça. Pareil ici, hein, du coup, donc on prolonge les blocs qu'on a mis en plus sur la longueur des murs. Ok, donc là on est bien. Hop. Et ici on enlève un. Ok. Donc voilà, on prolonge. Hop, ça du coup sur toute la longueur du toit en laissant dépasser de un bloc de chaque côté. Que je vérifie ça vite fait. Du coup, je crois que j'ai laissé dépasser d'un petit peu plus. Voilà, donc j'ai laissé dépasser de 4 blocs en fait. Tu vois, des murs. On part du mur en quartz ici. Et on laisse dépasser le toit de 4 blocs de chaque côté de la maison. D'accord?
Donc on va faire ça aussi. Donc ça va aller jusqu'à 1, 2, 3, 4. Comme ça, ça va aller jusque là, sur la longueur. Et jusque... Hop, 1, 2, 3, 4, ici comme ça. Donc voilà, sur toute cette longueur-là, du coup, on va refaire cette forme-là de toit. Hein. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir monter les murs, hein, tu vois, au niveau du plafond. Ok, tous les demi-blocs qu'on avait laissés en pendant ici, on va pouvoir les faire monter, hop, comme un véritable mur cette fois-ci. Allez, on va essayer de les coller au plafard. Évidemment, quand il y aura des impossibilités de coller au mur à cause des demi-blocs, bah on les enlève, hein, tout simplement. On va pas s'embêter. Youp, ok, donc comme ça, c'est bon, ça colle. Ok. Youp, ok, donc bah voilà. Et après, il suffit simplement de boucher les murs. Et on va mettre le sol aussi de la maison en sandstone. Alors moi, j'ai mis en sandstone, vous pouvez mettre autre chose, bien évidemment. Voilà, après ça sera en fonction de là où vous mettez la maison en fait. Parce que si vous la mettez dans une ville, vous pouvez aussi faire l'intérieur en partie en gravier. Ça peut être intéressant puisque c'est une maison qui est très 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 design. Donc on peut essayer de faire quelque chose de très design aussi au niveau de l'intérieur, de très conceptuel prout prout si tu veux. Et donc voilà, t'as moyen de faire des choses assez rigolotes avec ça. Donc ouais, même l'intérieur en gravier, même si ça fait aucun sens, ça peut être intéressant comment on peut utiliser la maison en fait. Voilà, moi j'ai mis de la sandstone parce que voilà, ça passe bien. Donc tu peux utiliser un petit peu tout ce que tu veux. Hop, voilà. Alors, donc je bouge le mur vite fait. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, du coup on va pouvoir hop, mettre de la sandstone. Hop, voilà. On va pouvoir mettre de la sandstone un peu partout. Voilà, entre du coup l'intérieur ici, au niveau de... Hop, de l'intérieur de notre mur aussi comme ça, donc pas cette bande là de mur, hein. Cette bande là on va la laisser en vert, on va la laisser en herbe ici, tout sur la longueur. La même chose de l'autre côté, hein, on va prendre que cette partie là de la maison au niveau de l'intérieur, et en fait tout l'intérieur là on va la mettre en sandstone. Voilà, on va juste penser du coup au niveau de l'extérieur là-bas à la prolonger un petit peu sur le devant, histoire de faire une espèce de petit préau tout mignon, tout plein. Hop, et on va mettre voilà de la sandstone ici à ce niveau. Hop, ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir monter aussi les fenêtres. Parce que quand même, il faut des fenêtres un petit peu. Et donc voilà, l'idée c'est de faire en fait des fenêtres en bloc complet de verre. Hein, donc c'est pas des trucs tout fins comme on a l'habitude de faire ici. Non, non, on va vraiment utiliser des blocs pleins, des vrais blocs de verre teintés en noir du coup pour avoir un aspect ultra ultra moderne. Donc voilà, et on va les décaler en fait à un bloc par rapport au mur ici. En fait, on va pas la mettre sur la même tranche que le mur à ce niveau-là. On va la mettre à un bloc derrière le mur, tu vois, pour donner un petit peu de relief à la fenêtre. Et c'est ça qui donne un aspect assez design, assez moderne aussi, hein, un truc comme ça. Hop, donc voilà, on n'hésite pas à casser le plafond pour poser les blocs aussi, hein, pas de souci. Hop, voilà, jusqu'à comme ça. Hop, et en laissant quand même suffisamment d'espace pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la maison quand même. Hop, donc voilà. On va faire un truc comme ça par exemple. Ok, on fera la même chose de l'autre côté, hein. Moi je le fais pas, c'est exactement la même chose. Ici pareil, on refait un mur, mais ça, sauf que là on va faire le mur en verre complet. On va pas laisser d'ouverture dedans parce que j'ai pas envie. Et puis voilà. Alors, pouf. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va aussi mettre une fenêtre à ce niveau-là aussi, ça serait pas mal. On va laisser deux blocs de hauteur pour pouvoir passer en dessous. Et ici, tu vois, sur toute la longueur, on va mettre une fenêtre. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les demi-blocs de quartz. Ok, ici comme ça. Et on va prolonger en fait le côté ici de la maison pour faire une espèce de préau comme tu peux voir là-bas. On va aussi utiliser du coup les piliers en sandstone, pas du tout, les piliers en cobblestone, les piliers comme ça. Et on va prolonger voilà, comme ça, une espèce de petit préau, hop, semi-couvert. Donc voilà, on va faire ça comme ça, on va utiliser du coup, on va prolonger du coup la maison comme ça. Ok, et on va rajouter des espèces de grandes barres en quartz qui vont venir sur le devant. Donc on peut rajouter comme ça ou comme ça. Moi je vais ouvrir juste le bloc qu'il y a devant la fenêtre, je vais l'ouvrir. Et on va faire deux blocs comme ça. Ok, pouf. Hop, voilà, on le fait jusque là. Hop, et hop,
Et voilà, donc ici on rajoute deux barres de piliers de cobblestone pour faire. On les met au bon endroit tant qu'à faire. Hop, je suis en train de tout péter là. Ouah, je fais de la bouac. Ok, donc voilà, on les met comme ça. Ça paraît bas comme ça, mais c'est pour le style, c'est pour le design. Voilà, t'inquiète pas. Ça paraît bas de plafond, mais voilà. T'inquiète pas. T'inquiète donc pas. Voilà, on rajoute un petit peu de sandstone ici parce que du coup j'avais deux blocs en moins qui manquaient. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, du coup bah, il reste plus grand chose si ce n'est les quelques décorations comme sur le devant de la maison ici en fait. Comme ça, tu vois, on va mettre des machins comme ça avec des feuilles. On pourrait aussi rajouter une plateforme en sandstone comme ça. Moi voilà, pour le délire, j'ai mis une plateforme en arrondi comme ça pour reprendre, que j'ai repris exactement la même dimension d'ailleurs que pour la maison d'avant en fait. Mais voilà, tu peux mettre autre chose. L'idée c'est pas de faire une plateforme ronde forcément, parce que ça va pas forcément avec la maison. Faut adapter en fonction de ce que t'as sur ton serveur ou sur ta map. Voilà, mais la plateforme là c'était juste pour illustrer en fait finalement. C'est pas, y a pas du tout obligé de faire une plateforme. Voilà, donc on va faire 3 ou 4 comme ça, 3 petits arbustes qui va être collé au mur de la maison comme ça, et là tout de suite ça donne un petit côté un petit peu plus vivant. Moi j'aime bien. Alors l'idée maintenant, c'est là que ça va devenir intéressant. On va faire la spécificité vraiment première de la maison. Ça va être l'espèce de bulle qui va y avoir sur le dessus, tu vois. Ok, donc pour ce faire on va déjà en premier lieu la faire de manière grossière. On va utiliser les blocs hein, comme on a utilisé pour le toit lui-même. Et en fait on va utiliser déjà des repères pour faire le trou à l'intérieur du toit. C'est à dire qu'on va partir du côté de la maison ici. Ok, on va compter 5 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pouf, et au 6ème on fait un trou. Au 6ème on arrive au dessus du machin ici. Alors attends. Non, si je dis pas de bêtises, voilà, il y aura 3 blocs sur lesquels le mur va se prolonger. Donc on va faire 8 du coup. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, et à partir du 9ème bloc, on va mettre un trou. Pareil de l'autre côté, donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, et sur toute cette largeur là, on va ouvrir. On va, donc comme ça on aura vraiment la largeur du trou à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du toit. Alors, sur l'arrière de la maison, ce qu'on va qualifier comme étant l'arrière de la maison, hein, sur le petit côté du toit en fait, on va compter 5 blocs aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et à partir du 6ème du coup, on casse. Voilà, donc on a ça ici. Ok, et on aura 10 blocs de longueur par rapport au bout là-bas. Donc tu vois, tu prends le bout en hauteur, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, et 11ème, on casse tout, et on s'aligne avec ce qu'on a déjà fait là-bas, ok, on fait aussi large, voilà, et donc du coup, toute cette ouverture-là, on va l'ouvrir, hein. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une bulle, on va faire une forme de bulle. D'ailleurs, oui, juste avant, on va compléter les trous qu'il y a ici à l'intérieur ici. Parce que du coup, voilà, moi, pour économiser du bois, j'ai mis, même si je suis en créatif, donc ça fait aucun sens, mais pour économiser du bois, du coup, on peut creuser à l'intérieur du toit comme aller sur 3 demi-blocs de profondeur. Enfin bref, voilà. Du coup, voilà, on va utiliser les blocs de bois et on va partir de notre bord ici, tu vois. On va partir de notre bord et on va mettre un bloc ici comme ça, ok. Puis on va en mettre un au-dessus en double, hein, on va en mettre deux, plus une deuxième barre de deux, plus une barre de deux, plus après une barre de trois, donc 1, 2, 3, ok. Et au niveau du dessus, là, on va avoir 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Puis après, on redescend avec une barre de deux comme ça, et après, on fait que des 1, de un bloc de 1 en 1 pour arriver jusque là. Donc normalement, on arrive pouf pile poil ici, hein, tu vois, comme si c'était calculé d'avance, on va dire. Donc voilà. Et en fait, ce truc-là, on va le prolonger, comme tu vois, sur 3 blocs de plus sur ce toit-là, tu vois. Donc il y a vraiment une marge de 3 blocs. Pourquoi une marge de 3 blocs? Boing, boing, c'est pour que au niveau de l'intérieur de la maison, tu vois, on puisse avoir une marge ici. Il y a un espèce de petit rebord qui va nous permettre, notamment... Hop, là je l'ai pas mis sur le modèle d'ailleurs, de mettre
voilà, des feuilles comme ça qui vont tenir au niveau de l'intérieur de la maison. Ce qui fait qu'on aura un support pour des lustres assez stylés, tu vois. Plus voilà, des feuilles comme ça qui tombent nonchalamment du toit. Moi, je trouve ça stylé. Tu vois, comme une forme de petit un peu, enfin une forme un peu en croissant comme ça sur les lustres aussi, tu vois, je vais te montrer. Hop. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va prolonger du coup cette forme-là sur toute la largeur du mur, mais on va d'abord l'affiner. Voilà, comme pour le mur, enfin comme pour le toit d'origine, hein, on va affiner la forme avec des demi-blocs pour que ça soit plus joli. Voilà, comme ça. Donc là, on a affiné le dessus, on va affiner l'en dessous. Hop. Hop, alors on va essayer de faire aussi large que le toit, que le vrai toit, parce que si on le fait plus large, ça risque de donner un aspect bizarre. Donc voilà, on va en mettre ici, 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 ici comme ça, ici, là. Normalement, on a quelque chose d'assez intéressant par rapport au toit. Ouais, ça a l'air d'être à peu près bon. Voilà, donc on va prolonger cette forme-là, du coup, sur toute la largeur ici du toit, hein, en sachant qu'on va dépasser de 3 blocs comme ça sur la longueur de chaque côté du toit, hein, de l'autre côté. Hein. Hop. Voilà, 1, 2, 3, et voilà. On le fait sur toute cette largeur-là, du coup, hein, comme ça. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, ça commence à devenir stylé comme baraque. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, l'idée, voilà, du coup, c'est qu'on va reprendre les blocs de vitre de verre classique, et on va vraiment boucher le trou à ce niveau-là. Hein. Comme on a 3 blocs, tu vois, de marge entre ce toit-là et ce toit-là, on va pouvoir avoir sur le milieu toute une vitre, comme ça, qui va être complètement normale. Hop. Du coup, voilà, en n'hésitant pas à casser les demi-blocs du plafond, évidemment. Hop. Voilà, ici aussi du coup, et voilà, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir combler la fenêtre, hein, du coup, et tu vois qu'on commence à avoir des choses sympas. Voilà, on fait ça de la même, on fait ça, ce même truc de l'autre côté de la maison, et au niveau de l'intérieur, du coup, puisqu'il ne reste plus que ça, on va pouvoir faire un truc assez sympa. Alors déjà, on va combler la porte qui est de l'autre côté, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait. Hop, boing, 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 boing. En fait, voilà, on va faire la même chose que sur la porte d'en face, hein, c'est-à-dire qu'on va juste rajouter des blocs de verre, comme ça, sur le dessus, ici. J'ai mal bichonner mon truc, moi. Hop, pouf, pouf. Ok, voilà. Alors, une fois qu'on a ça, tu vois qu'on a un bel espace au niveau de l'intérieur. Là, c'est plutôt stylé. L'idée, en fait, c'est que comme le toit lui-même, il est en forme un petit peu arrondie, comme ça, tu vois, il est en forme de demi-sphère, enfin, pas du tout de demi-sphère, mais en courbe, bah, ça serait de placer des lustres en courbe aussi, un peu comme ça, mais en courbe, du coup, dans ce sens-là, pour qu'on puisse voir la courbe, finalement. Donc l'idée, c'est de prendre des end rods pour pouvoir avoir un support, en fait, des end rods avec du quartz rayé, du quartz comme ça, en fait, les piliers de quartz. Et en fait, on va utiliser les end rods comme de support pour les piliers de quartz. Donc on va faire, voilà, des end rods un peu comme ça, voilà, en les mettant sur là où on peut les mettre, ici comme ça par exemple, pouf, pouf, pouf. Pouf, et un dernier ici, pouf, voilà. Donc tu, un peu trop peut-être, voilà. Et donc voilà, l'idée c'est de les mettre un peu en forme de, voilà, un peu comme pour le toit finalement. J'ai toujours mis un peu trop loin, je trouve. Voilà. Donc là on a une belle forme quand même, et en fait on va mettre deux end rods comme ça, qui vont venir les unes par-dessus les autres. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, et voilà. Après, du coup, on finit par mettre 3 blocs de piliers comme ça, hop, dans chaque end rod, pour avoir des lustres qui claquent violent, tu vois. Et en plus, ça fait de la lumière et tout, c'est impeccable. L'idée maintenant, c'est qu'on va rajouter des feuillages comme on avait fait sur le modèle, du coup. Alors il y en a qui demandent aussi assez souvent sur internet, enfin sur dans les commentaires, si c'est moi qui invente les maisons, si c'est moi qui fais les modèles et tout. Oui, hein, dans la très grande majorité du temps, c'est moi qui invente les modèles, et sinon quand je reprends des trucs ou que j'améliore des trucs, je le dis, ou je dis que j'ai fait des trucs à ma sauce, tu vois. Il y a pas de problème, mais les modèles sont originaux, hein, dans la majorité du temps.
Voilà, donc c'en est fini pour cette maison-là. Elle est assez sympa. Elle est simple dans ses formes, mais pas simpliste pour autant. C'est ça qu'on aime, ça qui est bien. Donc voilà. Si la maison chapeau moderne ultra design t'a plu, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, aller sur le Twitter aussi. Ça, je le dis jamais, mais faut vraiment que j'y pense parce que ça fait 600 vidéos que je fais qui dit qu'il faut que j'y pense à chaque fois. J'ai jamais fait. Donc voilà, une grande première. Ça fait du bien. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine.